Take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Did you ever use any other banned substances like testosterone, cortisone, or human growth hormone? Yes. Yes or no? In all seven of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. Remporte le Tour de France, il passe 500 contrôles tous négatifs et on s'aperçoit des années après qu'il était tout le temps dopé. Attendez, il y a un problème. La lutte antidopage a été totalement inefficace. Je lui ai dit, est-ce que je peux t'emprunter de l'EPO? Il m'a dit oui, pas de problème. Il a ouvert le frigo, il a pris de l'EPO. Il était juste à côté du beurre et de la confiture. Comment l'Américain s'est-il imposé comme le parrain du Tour de France, n'hésitant pas à intimider ceux qui osaient douter de lui? Ce deuxième contrôle qui me marque par rapport à M. Armstrong, c'est vraiment cette étape au Ventoux. Il me regarde dans les yeux et il me dit « Never was, never will be, keep looking ». Je ne peux pas être plus clair. Je ne me suis jamais dopé. Ça n'est jamais arrivé. Est-ce que c'est clair? Devant les caméras du monde entier, on le voit en train de faire ce geste. Il faut que je la ferme. Et ça, c'est un geste utilisé dans la mafia. Antoine Vaillé va nous le démontrer. Voilà, lance la fusée. Donc là, bah déjà, cet effort qui est un sprint dans une pente à 10%, on ne voit pas l'ampleur de la pente, mais elle est absolument phénoménale. Donc déjà, plus personne ne peut suivre. Non seulement Armstrong, là, va attaquer, mais il va attaquer avec une puissance quand même pendant 4 minutes 30 qui va flirter avec les 600 watts. 600 watts en pédalant. Antoine Vaillé utilise cette unité de mesure pour calculer la puissance développée par Armstrong. Alors, ce qu'il fait à l'Alpe d'Huez, ça rentre dans les plus hauts exploits de surpuissance qui sont complètement inhumaines. Et pour démasquer celui qu'il qualifie de mutant, celui qui a échappé à tous les contrôles d'urine et de sang, Antoine Vaillé a imaginé une méthode qu'il prétend infaillible. L'ancien coureur et entraîneur s'est associé à un ingénieur en aéronautique pour la mettre au point. On connaît exactement son profil de pénétration dans l'air, on connaît les coefficients de frottement. Donc là, par rapport à la pente, par rapport à son poids, par rapport à ses coefficients aérodynamiques, une équation toute simple vous permet de savoir entre ce moment-là et puis là-haut, combien de puissance il développe. Résultat de l'équation d'Antoine Vaillé, cette puissance ne peut être obtenue qu'avec des produits interdits. Reste à savoir quand et comment il s'est dopé dans ce Tour de France sans cesse plus surveillé, qui vit au rythme des contrôles et des descentes de police. Tyler Hamilton, l'ancien coéquipier d'Armstrong, va nous l'expliquer. Il va nous raconter par le menu comment se passait une soirée dite de récupération le soir à l'hôtel. Une soirée ordinaire en somme. Son témoignage est édifiant. Armstrong n'était pas le seul concerné, toute l'équipe était mise à contribution. Ils se comportaient tous comme de véritables toxicomanes qui ne craignaient qu'une seule chose, se faire prendre. On va commencer ici. Donc, on fermait tout. Très important. Là, et là, comme il pouvait y avoir une caméra, on les recouvrait tout le temps, comme ça. C'est ça. C'est ça. Mais vous aviez peur de quoi? Mais c'était pas moi qui m'en occupais. C'était les médecins, ou Johan Brunel. Il pouvait aussi y avoir une caméra, là. Alors c'était tout le temps calfeutré. On devait faire très attention. Ça aussi, c'était recouvert. Oh yeah. Téléphone.
et le téléphone, il fallait toujours l'éteindre. Toujours. Yeah. Pourquoi? C'était possible que les policiers écoutent les conversations. C'est ce qu'ils nous disaient. C'était dans le règlement. On devait couper le téléphone. Avec l'équipe américaine, une grande chambre d'hôtel se transforme en salle de shoot. On avait des chambres qui communiquaient. Kevin et moi dans celle-là. Et Lance dans celle d'à côté. On avait une suite pour nous trois. Avec un brin de malice, Tyler Hamilton nous raconte le cérémonial du cintre et du tableau. Tu prends ça. Intéressant, non? Ils enlevaient ça, comme ça. C'est ça. Alors, ils mettaient la poche de sang ici. Et le tuyau descendait comme ça. Combien de temps ça durait? 20 minutes. Et qui faisait les transfusions? Les médecins. On utilisait ça aussi. Ça ressemble à du shampoing, mais à l'intérieur, c'était de la testostérone. L'huile d'olive, comme on l'appelle. C'était de la testostérone mélangée avec de l'huile d'olive. Alors vous l'ouvrez, juste deux gouttes, deux petites gouttes sur la langue. Quand? Après une étape sur le Tour de France. Et bien sûr, il y avait des canettes de coca, très important. Le plus important dans le coca, ce n'est pas la boisson ni même la caféine, mais la canette vide. Entre eux, ils en plaisantaient, ils l'appelaient la canette atomique. Après une injection de PO, on mettait la seringue dans la canette et on l'écrasait. Kevin, Lance et moi, on mettait les seringues et on faisait ça. On l'a donné au médecin et il s'en débarrassait à des kilomètres de l'hôtel. Et dernière consigne, surtout bien ranger sa chambre avant de partir pour l'étape du jour. Quand on quittait l'hôtel, on faisait attention à tous les détails. Lance aurait dit en voyant ça, c'est pas normal. C'était très important que tout soit en ordre après notre passage. Et ça, c'était le travail des médecins. Allez, santé. Tous les acteurs du système Armstrong, épinglés par l'agence antidopage américaine. Johan Brunel, le fidèle directeur sportif, sanctionné. Le médecin Luis Del Moral, l'excité de la seringue selon les coureurs, suspendu à vie. Et Pepe Marti, l'entraîneur surnommé le facteur des produits, radié lui aussi. Armstrong et ses hommes ont régné pendant 7 ans sur le Tour de France. Une emprise qui dépassait largement le cadre du sport. Sur la grande boucle, l'Américain a su s'imposer, tel un véritable chef de clan. Il dicte ses règles, silence dans le peloton. Ceux qui s'en sont pris au système Armstrong l'ont payé au prix fort. À une heure de Rome, le petit village de Sezze. Le patron de ce bar, derrière le comptoir, s'appelle Filippo Simeoni. Ancien champion d'Italie, il a subi les foudres d'Armstrong. C'était en 2004. 18e étape du Tour de France, en pleine course, en direct. Armstrong rattrape Simeoni. Il a deux, trois choses à lui dire. Simeoni, client lui aussi de Michele Ferrari, a brisé l'omerta. Quelques mois plus tôt, il a témoigné contre le docteur lors d'un procès. Et ça, ça ne passe pas. Il m'a dit « Tu as tout faux. Tu n'aurais pas dû dénoncer le docteur Ferrari et surtout pas moi. Pour moi, ce n'est pas un problème. J'ai du temps, j'ai de l'argent et je peux te détruire quand je veux. Ce qui est grave,
c'est que ce geste était la preuve du pouvoir de Lance Armstrong sur le Tour de France et sur l'Union cycliste internationale. Tout le monde du cyclisme savait ce que ce geste voulait dire. Simeoni disgracié à la vue de tous. Il se fait même insulter lorsqu'il réintègre le peloton. Ce n'était pas dans ma fonction d'aller me mêler d'une opposition entre deux coureurs. Une opposition qui n'était que sportive. Ils ne se sont pas mis sur la figure, ils sont pas, il n'y a pas eu de scandale. Simplement, il est allé le rejoindre et il lui a parlé, mais je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Hein. L'Américain ne sera jamais sanctionné pour son comportement antisportif.